Coucou tout le monde. Hello. On espère que vous allez bien. T'arrêtes de dire des bêtises. Aujourd'hui, on se retrouve pour la box de chez My Little Box. Ça faisait longtemps que j'en avais pas pris une, depuis le mois d'août, je crois. Il me semble, ouais. Et vu que celle-ci, elle était trop belle, j'ai décidé de la prendre. C'est le motif un peu automnal. Elle est mieux que l'an dernier, je trouve. Et le thème, c'est dans les bois. Donc vous voyez, la chose, c'est vous allez voir l'inscription dans les bois, elle est en brillante et les bonhommes aussi. Ça brille un peu. Alors. Mais c'est pas un brouillon, si. Mais si, regarde. Ah oui, C'est en glissant un peu. Donc franchement, ce mois-ci, c'est le thème parfait, genre pour faire les randonnées dans la forêt, tout simplement. Donc vous avez. Comme d'habitude, le petit nœud et la jolie carte illustrée, enfin une petite affichette illustrée par Kanako. Donc nous les nœuds, on les garde à chaque fois, ça peut servir pour emballer des choses. On s'en servait pour attacher les ballons où on habitait avant. Voilà la jolie affiche. Je les garde pas tout le temps, mais celle-là elle est sympa. Ah non, c'est même pas une affiche, là c'est un petit livret. C'est le guide d'un week-end dans les bois réussi. Choisir sa destination, bien se préparer, ne jamais perdre le nord, devenir une randonneuse en herbe et étape 5, la cueillette. Étape 6, immortaliser son séjour, prendre soin de ses jambes, garder la tête froide, relax au coin du feu et la tête dans les étoiles. Donc ouais, c'est plutôt sympa. Doucement, ça casse ça. C'est qu'un papier de boîte. Bah oui, je la garde. Oh, il a plu. Oh. Donc les emballages sont vraiment top. Donc là, vous avez une petite carte de Body Shop, The Body Shop, avec C'est pas que l'on met là-haut que tu voulais. Hein. Bah je l'ai acheté. On en parlera plus tard. Non, pas Body Shop, hein. Little Box. Oui, non, je parle de boutique. Vous avez 10 euros offerts en boutique ou en ligne. Voilà. Alors, on va piocher Oh, c'est le bon. premier accessoire. Donc, Elle est remplie. c'est un flacon pompe en métal avec marqué My Little Box et The Body Shop. Donc il est vide. En fait, vous avez bah, justement le coupon là, ça vous donne droit bah, à aller chez Body Shop et vous choisissez ce que vous voulez avoir dedans. C'est gratuit, hein, vu que c'est le cadeau. Soit du shampoing, soit du gel douche, ou soit du savon pour les mains, il me semble, j'avais vu. Il y a marqué, je suis en alu recyclé, recyclez-moi encore et encore. On peut aussi vider nos savons dedans. Après, oui, vous n'êtes pas obligé, mais bon, vu que c'est compris dans la box, c'est mieux d'aller se le faire remplir. Et Nous, on va après, essayer de le faire. genre, quand tu veux plus le faire, tu peux. Tu Bah sais, non, tu le fais qu'une fois. Hein. Oui, je sais, mais tu sais, les recharges en plastique, là. Ouais. T'achètes à l'ouvrir. Alors, ensuite, on a une petite maison où c'est écrit Les pieds au coin du feu. Tu ouvres doucement, parce que Ouais. je vais la garder la boîte. L'an dernier, elle avait déjà fait une boîte comme ça, et dedans c'était des bracelets, je crois. Et là, il y a un vélo et un banc, et sur le banc, on voit un petit chat, il ressemble à Pulu. D'ailleurs, il fait dodo vers nous. Il a sa patte comme Il ça, nous là. tient compagnie Il a la depuis patte toujours. rentrée comme ça, là. Alors, comment ouvrir? Il y a un scotch sur le côté, il me semble. Ça, je sais plus ce que c'est. Ah oui. Est-ce qu'il y a une citation dessus? Ouais, les pieds au coin du feu. Ah, j'ai encore pas pris de ciseaux. Je pense pas que j'en ai un là. J'en laisse pas traîner de toute façon. C'est pas grave. Mais t'y arrives sinon. Bon, C'est ouais. un peu long, hein.
J'enlève le scotch ou pas? Ouais, tu peux. Bah oui, t'as raison. Je vais avoir le temps de présenter deux produits qu'elle aura pas fini encore. Bah non, mais c'est ça que je te pète la boîte. Hein. Ah bah non. Ah. On dirait les chaussettes de chasseur, tu sais, les trucs kaki là. C'est tout pour aller dans les bois en même temps. Mais... J'en veux pas. T'en veux pas? Bah, c'est, bah, chaussettes, c'est pas ma taille, je fais comment? Mais si, c'est taille unique, je crois. Attends, je regarde ce qu'il y a marqué sur la boîte. Alors, elles sont vertes comme ça. Et là, il y a écrit un truc. C'est en coton recyclé. No mountain. C'est pas marqué la taille, mais je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est taille unique pour tout le monde. Hein. Il est préparé, là. Là, c'est en coton recyclé et polyester recyclé. Et en élastane, mais pas élastane recyclé, du coup. High and out. Là, c'est la couleur que je me plais. T'en fous, c'est tout le pantalon. Tu mets des choses bien plus horribles. Je peux montrer? Non. Alors, vous préférez celle-là ou ça? Ah, c'est déjà boire, c'est bon. Non, c'est pas beau. Elles sont belles. En plus, t'as marché dans de la craie ou quoi? Elles sont toutes roses. Ah non, c'est le dessin. C'est ce qu'on appelle un jaguar. Non, c'est un chat. Enfin, je sais pas. Si, c'est un chat avec des moustaches. Donc ensuite, nous avons une petite boîte avec des glands, des feuilles et de la fougère. Carrément, ils nous ont offert des glands. Presque ça. Ah bon? Il y a marqué trésor des sous-bois. C'est une infusette à thé bien chaud. Donc c'est toujours bien emballé chez eux, c'est top. Ah. Écoute, c'est bien scotché aussi, hein, ça va pas s'envoler. Regardez-moi comme c'est tout mignon. Ah, c'est trop beau. C'est un petit gland et dedans vous mettez du thé et hop dans la tasse ou dans le bol. C'est trop dans une tasse. Ah, du coup ça flotte. Donc je pensais que j'avais cru voir chez certaines personnes que le gland était vert au-dessus, mais ça m'étonnerait. Donc ça s'ouvre comme ça. C'est en silicone. Tout le monde dit que c'est bien cette marque. Aven, ouais, c'est bien pour les peaux sensibles. Ah, encore du machin. Donc encore. Bah là, c'est le troisième accessoire, du coup. C'est le dernier. Après, on va passer au produit. Ah, donc, je sais pas si ça passe au lave-vaisselle. Comment ça, toi? C'est quoi le premier déjà? Ah non, ça va pas au lave-vaisselle ni au micro-ondes, attention. Il y a marqué... Rassemblez vos feuilles de thé favorites dans cet infuseur en l'ouvrant par le chapeau et plongez-le dans l'eau bouillante. Une fois l'eau parfumée, attention aux doigts, sortez-le par la tige... Et votre thé post-balade a encore des airs de forêt. Oh, c'est tout moelleux. Oh, mais c'est tout mou. Bah oui, c'est du silicone. Je crois que c'était que là, moi. Non. Oh, c'est trop mignon. Ça rentre pas là-dedans. C'est dur à remettre. Hein. Ah. Comme ça. Ensuite, on a le petit pochon, comme oh, non, à chaque pas, fois. C'est facile. Pour, bah, y a les produits dedans, trois produits. Oh non, vraiment, c'est trop mignon, c'est un squishy. Non, non, c'est pas un squishy. Le nouveau squishy, commandez-le tout de suite sur ma little box. Oh, ça sent trop bon. Vas-y, fais-moi sentir. Je vais le présenter après. Vas-y, montre. Ah oui, c'est à moi. Bah oui, c'est à toi. Ensuite, on a un contour des yeux marins. Il y a 30 ml. Ah bah, c'est leur marque à eux, ça. Ouais, My Little Beauty. C'est orange pastel. C'est quoi le parfum? Parce que souvent il n'y a pas de parfum, donc c'est un peu. Ça sent pas terrible. Algue marine from Bretagne. Ça a l'algue marine. Ce gel frais SOS fatigue vole au secours des yeux alourdis. Appliqué le matin ou soir. Au niveau des poches en fine couche. J'ai jamais de poche donc je vais pas m'en servir. Et pour les matins plus difficiles, vous pouvez le laisser poser 10 minutes comme un masque puis rincer. Il y a 98,8% d'eau origine naturelle. C'est vrai, je dors pas beaucoup et j'ai jamais de poche.
Même les cernes, j'en ai peut-être quasiment jamais. Attends. Ouais, non, c'est pas ça. C'est ça, si tu veux lire le petit texte. Ouais, non, flemme. Oh, quand même. Ouais, alors, étape 8, gardez la tête froide. L'air frais nous donne la mine rouge. Vous en prenez soin en appliquant le soin contour des yeux My Little Body en passant de l'intérieur vers l'extérieur. Avec ces algues rouges de Bretagne aux vertus hydratantes et antioxydantes, vous prenez le large depuis la forêt dans un terre-mer des plus raffinés. Alors ensuite, encore un produit The Body Shop. Donc celui-là, il est plein. Hein. C'est le beurre pour le corps. On peut ouvrir pour voir la couleur seule. Bah non, parce que je vais peut-être pas m'en servir. De toute façon, chez eux, c'est blanc. Mais j'en avais jamais un comme ça. C'est 50 ml. C'est une boîte en plastique assez souple et le bouchon en métal. T'as montré le pochon ? Ouais, mais je vais pas leur montrer après si tu veux. Ça sent super bon. Ça sent un peu le parfum d'homme. Je trouve. Oh, ça sent bon ! Ouais, ça sent le parfum d'homme. Je sais pas s'il y a le parfum dessus. Mais je sais pas, il y a marqué chi dessus. Je vais vous dire si je le trouve. Oh, ça sent les trucs qu'on met dans le nez là. Alors, vous profitez du format voyage de votre baume pour en faire votre meilleur allié. Après l'effort, le réconfort, vous octroyez un drainage bien mérité. Un thé à la main, vous massez vos jambes de bas en haut pour améliorer la circulation sanguine sans thé. Ah bah c'est bien tout ça. Allez, à toi. Quoi. Ensuite, on a une mousse nettoyante de la marque Aven. Ça nettoie et démaquille. Pour les peaux sensibles, normal à mixte, il y a 50 ml. Oh là là. J'ai arraché la carte. Ça va, c'est pas sur le code, heureusement. Ils ont eu l'intelligence de pas mettre... De toute façon, je pense pas que je vais m'en servir. Pour une fois que c'est intelligent. Non, ça va. Oh, c'est marqué mousse détergente. Et en fait, ça sent le... Vous savez le truc qu'on met dans le nez pour nettoyer, là? Le... L'eau thermale, non? Si. Ah oui, de toute façon, ma veine, c'est eau thermale, hein. C'est bah oui, en plus c'est marqué dessus. Ah oui. Mais tu sais le truc que tu vas dans le nez pour nettoyer là. Et ben c'est, et après, c'est de l'eau de mer ça. Ouais voilà. Et ben ça sent ça, regarde. Je sais pas, j'ai le nez un peu bouché. Ouais du coup il y a 50 ml. Ça va me servir bah, quand j'aurai vidé l'autre. Il faut que je vide mon ancien que j'ai eu cet été. Ouais oui, bon. Il a fait presque... Un plus. Après, j'utiliserai un autre petit et celui-là. Des mousses nettoyantes et des... Ah, j'ai froid. Et des gels nettoyants visage. Et des trucs pour nettoyer le visage le matin. On en a tout un stock. Ça va que ça dure longtemps en date. Bah tiens, cadeau du coup. Ah, tu les essaieras. Bah, bah du coup, cette petite vidéo se termine. J'enlève les horreurs, comme tu dirais. On espère que ça vous a plu. Enfin, ça vous... Oui, ça vous a plu. Bah, du coup, on se retrouve pour... peut-être la prochaine box. Peut-être. Bah ouais, la prochaine, ça sera Blissim. Ou My Little Box, si... D'ici là, ils en ont sorti une jolie. Est-ce que tu vois les dessins avant ?
Oui, je vois les dessins. Hein. Et du coup, on vous fait plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Et merci encore aux nouveaux abonnés. Nawel en plein essayage de chaussettes. Bah, elles te vont, bah, ça veut dire. Regardez, c'est ça écrit en dessous. Quand vous avez les pieds en éventail devant la télé, là, qui passe devant. Ah, mon jambe, elle vient de craquer, ça remontait jusque dans le pied. Oh. Du coup, voilà. On vous dit à la prochaine. Passez une bonne semaine, un bon week-end. Nous, c'est vraiment très moche chez nous. Des tempêtes, pluie à gogo. Voilà, on s'en passerait bien, mais bon, c'est. Précise le jour pour que quelqu'un mette la vidéo. C'est l'automne. Quand tu mets ta vidéo, ce sera au mois de prochain. Bah, on est au mois de novembre. Ça sera mis au mois de novembre, en principe. Il faut que je la mette au mois de novembre, de toute façon. En principe. Bah, je vais pas tarder à la mettre. Donc voilà, on se dit à la prochaine, du coup. Bye bye. Bye bye.